Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une matinée d'automne, recettes et déco. Je suis encore actuellement bien malade, mais je tenais quand même à vous proposer une petite vidéo. Celle-ci sera un petit peu courte, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Je vous laisse avec la suite. On se retrouve assez tôt le matin. Angelina a été déposée à la crèche et j'en profite du coup pour me mettre un petit peu à travailler sur l'ordinateur. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis sur un projet professionnel, surtout qui me demande de faire une étude de marché. Et l'étude de marché, c'est très très long, donc je passe vraiment mon temps à faire des recherches sur l'ordinateur, à compléter un dossier, enfin voilà, c'est des choses un petit peu longues. J'attends vraiment que le projet soit en route pour véritablement vous en parler. Mais dans tous les cas, vous pouvez venir me suivre sur Instagram pour suivre toujours un petit peu plus de l'actualité de mon projet, de ma vie au quotidien. Et puis pour voir un petit peu plus Angelina qui du coup ne sera pas trop présente dans cette vidéo. Qui dit un bon démarrage de journée dit surtout un bon café. Je vous avoue que je n'en prends pas qu'un, mais en ce moment j'en prends deux, voire trois le matin pour essayer de me motiver et de me lever. Je prends aussi des infusions aux fruits rouges. Alors je sais pas pourquoi, mais l'été, enfin printemps-été, je n'en prends jamais. Mais alors l'automne-hiver, c'est ma passion, les infusions, les tisanes, les thés, j'aime trop trop ça. Vu que je suis constamment sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux et que mon futur projet sera amené à être tout simplement devant les écrans, j'ai choisi le petit lunetier pour m'accompagner tout simplement avec des lunettes anti-reflets bleus. Déjà premièrement parce que ça évite tous les reflets au niveau de mes yeux, sachant que je passe la journée sur les écrans. Ça m'évite aussi les maux de tête en fin de journée et ça me permet aussi tout simplement de ne pas avoir trop de fatigue oculaire à la fin de la journée. Et franchement, depuis que je les porte, je vois nettement la différence. Vous pouvez les commander directement en ligne. Moi, j'ai choisi deux modèles complètement différents, étant donné que j'en voulais des plus discrètes et puis d'autres qui se voient un petit peu plus. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver un petit code promo. Du coup, oh là, les petites miettes. Voilà à peu près la déco que j'ai uniquement pour l'automne. Alors, j'aime beaucoup l'automne, c'est une de mes saisons préférées. Le problème c'est que je suis dans un appartement et que Angelina touche absolument à tout ce qui se trouve, donc je peux pas me permettre de mettre en fait mille et une déco. Et tout simplement aussi que la déco c'est quand même un budget. Bon là la plupart c'est action. Après je vais aller prendre aussi chez mes grands-parents pas mal de légumes qui tiennent en fait tout l'automne. Elle est un peu abîmée celle-ci, mais c'est pas grave, c'est juste pour la déco. Voilà, en fait je vais juste prendre par exemple des petites citrouilles, des petites courges ou des petits butternuts tout simplement et que je mettrai dans ma déco et en fait que on mangera à la fin de l'automne tout simplement, mais c'est vrai que ça tient bien. Donc voilà, la plupart ça et ça, j'ai acheté ça chez Action à je ne sais combien, mais vraiment pas cher du tout. Et le but c'est de décorer un petit peu ici. J'aimerais en mettre devant ma télé aussi. Mais en gros, c'est tout parce que sinon Angelina va faire des massacres. Thank you.
Pour compléter ma petite déco d'automne, j'ai piqué l'idée de ma copine youtubeuse Marisa. J'ai imprimé aussi une affiche tout simplement que j'ai mis dans un cadre et que j'ai posée à côté de ma déco. On continue la partie recette. Alors je voulais faire absolument un carrot cake. Mais j'ai vu que tout le monde en avait fait sur YouTube et en plus de ça je n'avais pas de carottes actuellement, donc j'ai trouvé une autre recette. Ce sera la recette des roulés à la cannelle, plus précisément des... mais je n'arrive pas à le dire en anglais. Comme d'habitude, la recette en détail, je la mets en description, en barre d'infos, vous pouvez tout retrouver. Sinon, vous pouvez aussi la retrouver sur internet. Petit conseil, alors je n'avais pas de levure fraîche et il est recommandé d'utiliser de la levure fraîche. Donc voilà, moi ça n'a pas tant que ça gonflé. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser de la levure fraîche plutôt que de la levure en sachet comme moi. La partie pétrissage, elle est assez longue, donc moi j'ai décidé de la faire au robot, mais vous pouvez très bien la faire avec un batteur électrique ou tout simplement manuellement, ça marche aussi bien. Après avoir dissous ma levure dans mon lait tiède, je viens rajouter la farine directement dans mon robot. Pour continuer, je viens rajouter du sel, du sucre vanillé ainsi que un œuf. Le but étant de faire une sorte de pâte à brioche. Et ensuite, une fois que la première partie de pétrissage sera effectuée, je viendrai rajouter du beurre. Dans l'idéal, il vaut mieux que le beurre ne soit pas fondu, mais plutôt ramolli. Une fois la partie pétrissage terminée, donc il faut 10 bonnes minutes de pétrissage, je vais venir la mettre dans un saladier, je vais la recouvrir d'un linge propre et ensuite je vais la laisser gonfler une heure, voire une heure et demie. Le but étant qu'elle double de volume, mais vous allez voir que la mienne, elle n'aura pas tant que ça doublé de volume dû à la mauvaise levure que j'ai mis. Mais bon, ça aura gonflé un petit peu pendant la cuisson, vous allez voir. Pendant que ma pâte est en train de gonfler, je vais venir faire ma préparation à la cannelle. Je viens tout simplement mettre du beurre fondu, du sucre cassonade et une bonne dose de cannelle à l'intérieur.
Une fois que ma pâte a bien gonflé et que je l'ai dégazée, bon la mienne a pas gonflé tant que ça, je l'ai dégazée quand même, mais bon elle avait pas doublé de volume, je vais venir sur un plan de travail l'aplatir et faire une sorte de rectangle. Pour continuer, à l'aide d'un pinceau, je vais venir étaler mon mélange à la cannelle et ensuite je viendrai enrouler le tout pour faire un boudin. Je coupe ensuite des petits morceaux que je vais venir disposer sur une plaque de cuisson. Pour continuer, c'est parti pour 25 minutes à 180 degrés de cuisson. J'espère vraiment que cette recette, elle va vous plaire. Moi, en tout cas, ça nous a plu. Enfin, Angelina, je sais qu'elle a adoré. On aime beaucoup la cannelle ici à la maison. J'en mets souvent dans mes compotes, etc. Je trouve que c'est la bonne saison en plus pour en manger. Dommage, ils n'étaient pas assez gonflés. Mais je suis sûre que si vous utilisez de la levure fraîche, ils seront encore plus gonflés et encore plus moelleux. En tout cas, nous, à la maison, ça a été un succès. On a adoré. Je n'ai pas fait le glaçage au sucre glace, pardon. Tout simplement parce que je n'avais plus d'œuf. Enfin, j'avais plus de jaune d'œuf pour pouvoir le faire. En tout cas, comme toujours, quand vous réalisez les recettes, n'oubliez pas de m'identifier dans vos stories. Je reposte tout le temps vos recettes, vos réussites, comme ce que vous ne réussissez pas. Moi-même, ça arrive de ne pas réussir toutes mes préparations. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire, de me dire ce que vous en avez pensé. Pour la prochaine vidéo, je pense que je ferai le carrot cake. Je vais d'abord le préparer en avance pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. À très vite !